Demi inabe kasila inele kona suni tele inabe kasila ate demurula ate yere kona ile kasa inabe miri 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 njuzu kasida ani nama ya tatalanye parana pam pana. Ça c'est la mélodie en fait. En fait. Pam panam pam panam. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Ah, enfant chéri. Il a bien gardé le morceau là, mais il est où maintenant? Il n'est pas aux États-Unis, Ahmed Faraz. Les États-Unis aussi a pris beaucoup de nos artistes. Hein. Jim Carlson, non, lui, il est tout le temps aux États-Unis. Ouais. Lui, voyage, hein, il voyage. C'est comme mon vieux père Blanchard. Non, lui seulement, lui, voyage beaucoup. Toujours en France, à Abidjan, au Guinée. Toi, non, il voyage beaucoup. Toi, tu voyages vers où ça? Moi, c'est voyager, moi, voyager. Ouais, j'imagine. Hein. C'est, j'ai fait le Congo. Congo? Oui. Lequel? Brazzaville, Kinshasa. Une seule, si moi, il était au Congo. Oui, c'est ça. Il n'a pas le lingala à côté de moi. Donc, toi, tu parles lingala. Ah. Zé, on est vendredi. Une beauté. Il sait qu'aujourd'hui, on ne donne pas conseil. Quand il dit une beauté, il faut dire une beauté naïo. Mais pourquoi tu as mes beautés et puis il dit faut mes beautés naïo? C'est salut, c'est salutation. Ah, Ningala. Ok, donc. Naïe, naïe, naïe. T'as vu qu'il y a la voix comme. Ouais. C'est un peu cassé, mais c'est dedans. Eh? Naïe. Il ne faut pas faire attention aux paroles. Hein. Ok. Naïe, naïe, naïe. Naïe, naïe, naïe. Aïe, bella mama, aïe, kavia, aïe, bella bébé, voilà la bia. Et vais chanter pour te soigner, et vais manger pour te manger. Oh. Pati père, pati bébé, mon bébé. Où ça m'a dit ça, pati bébé, mon bébé. Ça m'a dit ça, faut piloter, vous. Ça m'a dit ça, faut piloter. Ça m'a dit ça, faut que bébé le niveau. Oui. Ah, dama de c'est niveau. Bon, allons faire mission. Je me dis, mon chéri, fais-moi tout ça là. D'accord. Et restez pas là, là, là. Enlevez cadena. Naïe, naïe, naïe. Ça là. Naïe. C'est ce qu'il fallait à dire dans ce sens là. Oui. Je ne serais pas concentré. Concentré comment? Attends, je ne prends pas là. Un gars même là, toi, il a comme l'impression que tu n'écoutes pas d'autres musiques quoi. Lingala. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On est encore là pour s'affairer et puis c'est le vendredi. On est le vendredi, on ne donne pas conseil à quelqu'un. On n'en sent plus. Quel est le programme du jour? Retrouvailles entre Grand P et Edoxy Yao. La star guinéenne parle d'amour infini. Qu'en pensent les experts? Avant son premier grand spectacle au Palais de la Culture, Fier de Bior mobilise. On en parle dans cette émission. Tout le monde connaît sa chanson, mais très peu de gens le connaissent. Pourquoi? On l'a convoqué pour s'expliquer. Anselme Semi sera sur ce plateau dans un instant. Je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans Les Experts Abidjan. Il est l'heure d'accueillir nos chers experts NK2K Zelamou Farko. Attraper le reste. Ça va, tu fais quoi? D'accord, je vais trouver le morceau, hein, Daichi. C'est une voix chinoise. Ça, la gonne, attends, allez. Coucou, le mando, coucou, ma tata. Coucou, le mando, coucou, ma tata. Coucou,
Poisson, coloca, qui s'abattait, poisson, à l'air, qui s'abattait, qui dit bonjour, adieu. Yo, Chebele, Chebele, c'est la même chose. C'est le monde de taille. Oui, mais c'est pas le même morceau. Là, Yadon. C'est la même chose, ça. C'est ouais. Chebele. C'est Chebele. Non, c'est Chebele. Good morning, Sarah. Good morning. Good morning, hey. Anke. Good morning, everybody. Ouais, here yeah. In the place. Ouais. On démarre avec la nouvelle du jour. Ciao, les gars. Après des mois passés loin d'elle, Grand P a retrouvé sa dulcinée et Doxy Yao. Ils ont passé du bon temps à Sini, en témoignent ces images. Eh bien, Grand P parle même d'amour infini. Vous en pensez quoi, les gars? L'amour infini entre Grand P et Edo Edo, la star interplanétaire. Oui, c'est... Okay. On est content. C'est le beau, tu vois. Le beau des beaux. Voilà, c'est le beau des beaux. On espère bien. Bon, là, on ne peut même pas imaginer une histoire de cadenas. Ça serait dans l'inverse quand même. Mais voilà, s'ils se sont retrouvés, qu'ils parlent d'amour infini, je pense que ça a salué. Voilà, parce que Dieu lui-même, il est amour. Donc, quand il parle d'amour, voilà, c'est une bonne chose. D'accord, c'est l'amour fort, quoi. Réaction. Les images en disent beaucoup. Ouais, les images en disent long. Hein. Ouais. Les images en disent long, mais... C'est magnifique, l'amour, c'est magnifique. Vraiment... Vraiment quoi, faut dire, qu'est-ce que t'en penses? Non, comme Grand P, mais on le voit pas, c'est ça. On le voit pas comment? Là, si tu fais pas attention, tu vas savoir que c'est deux personnes. Mais il dit l'amour est fini. C'est ça, il dit. Qu'est-ce qu'on pense? C'est ça, ça existe. Ça existe. Oui, l'amour est fini. Ça existe. Quelqu'un il dit il aime sa femme. Hey. Maintenant, moi, je ne sais pas. C'est quoi le problème? Toi-même, là, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Parce que... Moi, j'en pense. Hein? J'en pense. Oui, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense. Mais tu en penses quoi? J'en pense, en fait. Ah, tu en penses, en penses. J'en pense, pense. D'accord. En fait, non, que c'est possible, mais... en fait. Donc, ce que tu penses là, c'est même nous, on pense. C'est la pensée. Voilà. Nous, on fait en pensance. Inquiète-toi. Est-ce que l'amour de Grand P et puis Edoxy, là, tu sais ce que tu peux nous dire si c'est l'amour de la mer, ou bien l'amour du fleuve, ou bien l'amour de la lagune, ou bien l'amour du lac? Est-ce qu'on a étudié ça? Pour rafraîchir, pour rafraîchir ta mémoire. Oui. Toi, André, tu ne suis pas les coups. Je suis très bien les coups. On a fait l'amour du fleuve. C'est ça. L'amour du lac. Lac. L'amour de la lagune. L'amour de la mer. Tu sais, bon, c'est un truc qui doit s'expliquer. On a étudié ensemble, en fait. Tu sais, on a étudié ensemble. Donne pour toi, je dis d'abord. Dis pour toi d'abord. Je vais commencer par toi. Tableau où, là? Là, ici. Laisse tableau, là, d'abord. Tu sais, on a parlé de l'amour du fleuve, l'amour du lac, l'amour de la lagune, l'amour de la mer. C'est ça. Il y a l'amour du flac. Flac d'eau. Oui, les flaques d'eau. Les flaques d'eau. Tu vois? Ça y est, là, comme ça, tu fais pas... De la flaque. Tu mâches un peu dedans. La flaque d'eau, oui. Voilà, c'est ça. Flaque d'eau. Oui, c'est la flaque d'eau. C'est la tique, là, qui est là, là. Non? Voilà. C'est flaque, là, il parle. Pas de flaque d'eau. Tu sais de quoi on parle? Oui, il dit flaque d'eau. Oui, mais est-ce que tu sais, tu connais un peu l'idée de... Oui. En fait, explique-nous. On va te laisser. C'est ça, je vais te dire. La flaque d'eau, c'est ça, il est en train de t'expliquer. Ah, est-ce que tu voulais nous démontrer même? Oui, c'est ce que je dis. Comme par coïncidence. Non, en fait, c'est pas une coïncidence. Tu ne suis pas les coups. On travaille ensemble. Voilà. C'est magnifique. Voilà, on travaille ensemble. Ah, mais c'est magnifique. On travaille de concert pour pouvoir éclairer la lanterne de l'autre spectateur. Donc, on va aller rapidement. Tu vois, on a parlé d'abord, on va récapituler, n'est-ce pas? Voilà, on va en fondeur. Voilà, on a parlé de l'amour du fleuve, l'amour du lac, l'amour de... Bon, je vais mettre ici fleuve. On va mettre lac. C'est ça? Non, ici c'est l'intervalle, il n'y a rien ici. Lagune. Voilà, non, attends, je vais mettre ici. Voilà, ici, lagune, et puis on revient ici.
Lac. On met maintenant lac. Bon, de toute façon, c'est les mêmes L. Vous allez vous rattraper. La maintenant... Mer. Et la mer, et la mer. On va maintenant... Oh, j'adore ce métier. Voilà, ça, c'est l'amour de la mer, tu vois. Il y a beaucoup de compartiments, en fait. Mm-hmm. Voilà, on va bien vous expliquer. Soyez concentrés, comme ça. Voilà. Donc, voilà, ici, on va mettre M. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voici un peu les quelques, comment on appelle ça, catégories d'amour qui existent à travers le monde. Mm-hmm. Donc, les recherches approfondies, comme Zé l'a dit tout à l'heure, mm-hmm. On était en train de partir en fondeur, en fait, voilà, pour étudier l'amour de la flaque d'eau. Oui, la flaque d'eau, oui. La flaque d'eau, tu vois. Flaque d'eau, c'est quoi d'abord? C'est de l'eau qui est venue dans un coin. Essayez de mettre ça en haut, est-ce qu'on va voir en bas? D'accord. Ouais. Est-ce, tu vois, bon, flaque d'eau, c'est un peu ça, tu vois. C'est de l'eau qui est venue à quelque part sans qu'on ne l'a appelée. Mm-hmm. Tu vois, peut-être il peut pleuvoir. Et puis, il y a un petit creux là, ça crée flaque d'eau. OK. Tu comprends? Oui. Bon, c'est pas. Creux là était là. Et puis, un coup, il a plu. Mm-hmm. Mais à partir du moment où ça contient quelque chose, c'est comme ça contient de l'amour. Mm-hmm. Mais c'est de l'amour provoqué. OK. Voilà, c'est de l'amour provoqué par quoi? Par la pluie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, relation de grimper et de Edoxiao, je pense que ça, c'est l'amour de la flaque d'eau. D'accord. Voilà. Parce que quand tu imagines d'abord, ça dit... voilà. Quand tu imagines d'abord, ça dit la corpulence. Tu comprends un peu? Des deux partenaires. Ça, là, si c'est pas amour de flaque d'eau, là, c'est quoi qui peut lier les deux là? Non, de manière honnête, sans être expert. Si c'est pas amour de flaque, tu vois, Edoxie, elle était là. Mm-hmm. Elle faisait ses business. Mm-hmm. Grand-père était en Guinée. Mm-hmm. Tu comprends un peu? Donc, il a fallu qu'il vienne ici et c'est la pluie qui l'amène. Venu trouver Edo dans sa position et la pluie a rempli. Maintenant, le petit trou qui a donné maintenant la flaque d'eau. Et si la pluie cesse? Et si la pluie cesse? Mais tu vois que par moment, ils sont en séparation de corps. Ça veut dire que la pluie a cessé, l'eau a séché dans la flaque. À partir du moment où ils ont renoué, ça veut dire que la pluie est venue remplir encore le petit trou et l'amour est resté. C'est pourquoi il parle d'amour éternel. Amour c'est ce qu'il infini. A dit. Amour infini. Mm-hmm. Voilà, ça dit que ça ne peut pas finir. Tant que Creula est là, et tant que Dieu peut faire pleuvoir, qu'elle lui peut quitter en Guinée, venir ici, l'amour du flaque, de la flaque d'eau va toujours exister. En grosso modo, voici l'amour de la flaque d'eau. Voilà, tu suis maintenant. Voilà. Hé, hey, attends, du coup là, c'est l'amour, toi tu étais dans la tête de l'expert NK. Il dit on travaille ensemble. Une fusion en fait. Oui, on travaille ensemble. Waouh, magnifique. Parce que quand on explique fleuve, lac, lagune, mer, il faut savoir qu'il y a flaque d'eau. Oui. Mais ça vient encore, il y a rivière. Oui, ah oui. Laisse on va avoir goumé dans l'amour de la flaque d'eau là. Non mais toi aussi, si l'eau est séchée. Il n'y a pas goumé dedans. Il n'y a pas goumé dedans. Il n'y a pas goumé. Quand l'eau sèche, vous êtes en séparation du corps. Voilà. Quand il pleut, vous revenez ensemble. Mais quand vous vous séparez là, c'est goumé? Non, c'est pas goumé. Hein. Donc vous vous séparez, vous n'avez pas mal. Non! Aïe, toi pourquoi aussi. On fait flaque là? Flaque d'eau là? Toi-même, Sarah, si tu fais comme ça, tu peux sauter flaque d'eau là. Oui. Attends, fleuve là, tu peux sauter? Non, non. Lagune, tu peux sauter? Ah, d'accord. Lac, tu peux sauter? Okay. La mer, même, tu peux pas essayer. D'accord, donc la flaque d'eau n'est pas intense. Voilà, ah, c'est pas intense. Ok! C'est comme ça. Mais là, on voit ce que Grand Bébois supportait Edoxie Yao au cas où elle se marie demain. Mais pas avec lui, hein, selon NK Touké. Selon toi? Oui, mais quelqu'un dit, là, ça, il dit, non, mais Sarah, ce que tu fais, non, c'est pas jamais bien. Dans la vie, mais tu vois. Il dit, il aime sa femme, que oui. C'est l'amour infini. Et mm-hmm. Toi, tu parles du mariage des dossiers avec quelqu'un d'autre. Non. Il dit, c'est ta femme. Mm-hmm. Peut-être, bon, la seule question que tu peux poser, à quand vraiment le bébé oui, du le couple Kaba? Pourquoi bébé? Faut un mariage d'abord. Aïe. Mais on sait jamais dans la vie. Et voilà. Si un jour, elle laisse grimper pour aller se marier, tu penses qu'il va supporter ça? Est-ce qu'il pourra supporter? Ça, là... Bon, tu vois, Kirikou n'avait pas apprécié les comportements de Karaba. Mm-hmm. Tu comprends un peu? Mm-hmm. Donc, il a cherché à comprendre, à démystifier Karaba dans la bande dessinée, en fait. Oui, oui. Et à la fin, tu as vu que Kirikou a demandé à Karaba de lui donner une bise sur le front. Et tout à coup, soudain, Kirikou, qui était le plus petit, devenant le plus grand homme.
Non, bon. il a désenvoûté d'abord, il a enlevé les Il a enlevé et quand il a donné la bise, tout d'un coup, Kirikou a grandi. Bon, je pense que si jamais Edossi Yao arrive à poser c'est-à-dire une telle action. Si Grand P. Si Grand P. Et va devenir Grand P. Voilà. Mais maintenant, un vrai format. Ah! Voilà. Bah, c'est le rapport. C'est l'appellation. Voilà, devenir un grand format. C'est l'amour. Il faut répondre à ma question. Est-ce que tu penses que Grand P va supporter ça? Moi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Edossi Yao doit marier quelqu'un d'autre autre? Mais on ne sait jamais dans la vie. Pour moi, il ne veut pas d'en faire des. On ne sait jamais. Pour le moment, on parle de ce qui est là. Est-ce que ça arrive? Selon mon expertise, toujours. C'est que Grand P actuellement est fou, amoureux de Edossi Yao. D'accord. D'un point amour bas. Infini, point bas. C'est tout. Donc, on ne peut même pas penser à demain, on ne sait jamais. On ne pense pas à ça. C'est le truc là, quand ça arrive, c'est arrivé. C'est là maintenant que tu te rends compte que c'était pas un amour infini, c'était un amour instantané. Vous avez dormi ensemble. Deux experts qui travaillent sur des dossiers. On est tout ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci. Il y a compris. Nous, on va passer à l'info chap-chap. Le 1er octobre prochain, Fier de Bior va affronter le Palais de la Culture d'Abidjan à l'initiative de Gaou Productions. À quelques semaines de ce show, le rappeur mobilise. En plus d'avoir le soutien de ses pairs, il rend visite à des personnalités. Après avoir invité le président de la FIF, Idriss Diallo, il est allé prendre les bénédictions de ses ancêtres. Fior était chez le chef du village d'Anoumambo récemment pour lui confier son concert. Nous vous l'avons annoncé, Kérosène sera en spectacle dans la mythique salle française du Bataclan. Il y a quelques jours, le contrat a été signé avec les promoteurs. La grosse info, c'est que ce show pourrait voir la présence d'un invité de marque. En effet, le chanteur annonce la présence de Cristiano Ronaldo, celui qu'il appelle affectueusement Madou Negue, comme invité spécial. Vraie info ou coup de bluff, affaire à suivre. Fier de Bior ne néglige rien pour son premier grand show au Palais de la Culture. Réaction Zéla Moufarko. Oui, mais c'est tout à fait normal. Hein. Mm-hmm. Et puis, qui a la production? Gaou Production. Voilà, donc c'est normal. C'est-à-dire, ils sont en train de tracer un chemin pour lui. Le même chemin qu'ils ont parcouru, pas typiquement le même chemin, le même parcours, mais c'est-à-dire que la tracée du chemin pour arriver au Palais de la Culture, là, c'est ce même processus. Ce même processus. Merci, tu as le mot souvent. Est-ce que j'ai dit que vous avez dormi à ça? Donc ça peut arriver, tu vois. Oui. C'est ce même processus-là qu'ils sont en train de tout pour de lui. De mettre en place pour lui. Voilà, pour lui, tu vois. D'accord. Donc c'est un peu ça. C'est tout à fait normal. Ça lui, voilà. Ouais. Et c'est même normal d'aller voir aussi le chef d'Anoumambo parce qu'il vient de là-bas. Mm-hmm. La dernière fois, nous étions chez le chef. Voilà, chef venu là-bas. C'est ça, il t'a parlé là. C'est ça. Ouais, c'est là que j'ai vu que Zé Lamou, il n'est pas ébrié, mais vraiment, il peut chanter dans toutes les langues. Quoi. Donc, c'est de ce jour-là que vous parliez là. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu as une réaction par rapport à Fier de Bior? D'abord, félicitations. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes près de 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et ça dit, je vais dire, d'abord, le premier défi d'un artiste, c'est de pouvoir faire d'abord un concert au Palais de la Culture. Ça dit, chercher à savoir combien toi-même, c'est-à-dire en matière de public, en matière d'affluence, qu'est-ce que tu peux proposer à ce public? Donc, c'est le rêve de tout artiste, vraiment, d'affronter le Palais de la Culture. Mm-hmm. Moi, j'en ai fait 3 one-man shows dans cette même salle. Ouais. Et je sais un peu combien ça coûte. C'est-à-dire, comment vraiment l'organisation, ça prend beaucoup, beaucoup d'investissement. Il faut beaucoup investir, en fait. Mm-hmm. Et il a la chance comme ça d'être produit sur ce concert-là par Gaou Productions, qui est vraiment une structure sérieuse. Mm-hmm. Et je pense que... Le Magic System, non? Magic System, okay. Voilà. Donc, ça va donner quelque chose de grand. Et puis, c'est important d'aller à la source. Il faut avoir la tête dans le modernisme, mais les pieds dans la tradition. Dans la tradition. Donc, il est allé au village présenter le concert à la chefferie. Et je pense que c'est des Agbés. C'est déjà béni, en fait, on va dire ça comme ça. Voilà. Parlons maintenant de Kérosène qui annonce Cristiano Ronaldo comme invité spécial à son concert. Est-ce que tu penses qu'il est sérieux, NK? Mais... C'est possible. Je pense que Drogba, il est ami forcément, ou bien il est en contact avec Cristiano, tu vois, ou soit avec un membre de son staff. Mm. Et lui,
kérosène qui est proche de Drogba par son canal, il peut le faire venir au Bataclan. C'est pas faux, hein. Tranquille, quoi. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas que les gens essaient de prendre comme c'est un moment de doyi. Mm-hmm. Cristiano, c'est un humain. Oui. Voilà, tranquille, quoi. C'est jamais. Qu'est-ce qu'il fait dire aussi que kérosène n'est pas ami à Cristiano? Voilà. Parce que tout le temps. Quand même, c'est l'élu, hein. Tout le temps, toutes ses publications, quand il publie un match, si Madou Negue n'a pas marqué, il ne fait pas de publication. C'est quand Madou Negue marque, ou bien Madou Negue. Ah, Madou, tu en as fait de Madou Negue. Un grand fan de Cristiano. Donc, s'il dit que Cristiano sera là, enfin, nous, on croit à ça. Hein. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est la date de l'événement. Parce qu'on a mis bientôt. Mais ça, c'est à Paris. Hein. C'est voilà. Non, même si c'est à Paris. Non, j'ai cru voir sur l'une des publications de Vigno que ça sera en décembre. D'accord. Ouais, ça sera en décembre. Mais le combien de décembre, là, on verra maintenant. Ouais, ouais. C'est annoncé, même lui-même, il a publié. Sur, je pense qu'on a la publication, là. Mm-hmm. Il a mis la date, il a dit... Le 4 OK, super, kérosène. Super. Ouais, mais c'est magnifique. Ah, mais c'est bien. La fête, on va partir. Franchement, moi, tranquille. Paris. Non, mais il faut le féliciter, hein. Ben oui, ça a félicité. Oui. Hey. Le 4 décembre, normalement, j'ai un voyage sur... Moronou. Non. J'ai un voyage sur Dabou. On va pitié. Pour faire un tchat, tu vas... D'accord. Foutoutou. C'est dans mes pays. C'est un voyage, hein. Ah, faut pas le voir comme ça. Ouais, il est tout en deux avions, entre Anouambo et puis sans fil. Avion qui va à Anouambo. J'ai expliqué ça à Enke. J'ai expliqué ça à Tabou. Voyage, hein. Voyage. Tu sais, il a voyagé puis il a se déplacé. Ah bon? C'est quoi la différence? Quand tu te déplaces, c'est que tu vas dans l'avion. Maintenant, quand tu voyages, c'est dans le car, dans la voiture, c'est ça. Sinon, quand on dit que quelqu'un s'est déplacé, quand on dit le président, on ne dit pas qu'il a voyagé. On dit que le président s'est déplacé. D'accord. Il a effectué un déplacement. Voilà, maintenant, toi, quand tu veux aller à Dabou, tu voyages. C'est comme Merci, NK. De toutes les façons, nous, on attend ce concert-là. Moi, j'ai hâte. Et puis, grosse force à Kérosène. Dans la deuxième partie de cette émission, Anselme Semi sera sur ce plateau. L'auteur du tube Zoko va nous raconter son histoire. À tout de suite. C'est la suite de notre émission. On part à la rencontre. Vous là, qui n'a jamais dansé sur ce son qu'on va entendre? Qui? Allons à la rencontre d'Anselme Semi! Bonjour Anselme, comment tu vas? On est content de te voir sur notre plateau. Moi aussi, je suis content de vous voir. Même si tu n'étais pas venu, on allait te chercher un bout. Parce que, retiens une chose, ici, c'est convocation, c'est pas invitation. C'est une affaire comme ça. Respect. On travaille en étroite collaboration avec la police. Eh bien, tout le monde connaît ta chanson Zoko, mais très peu de personnes te connaissent de visage. Comment tu expliques ça? Bon, il faut dire que le succès m'a devancé. D'accord. Avant que ma personne elle-même ne vienne. Okay. C'est-à-dire le son a pris. D'accord. Et puis j'ai essayé de coller l'image. Bon, quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais quand l'image et la chanson décollent ensemble, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Donc c'est ce qui a joué contre moi, quoi. Et est-ce que tu te considères comme étant quelqu'un de discret ou réservé? Bon. Il faut dire que je suis les deux. D'accord. Explique-nous. Je suis discret dans tout ce que je fais. Et puis, j'aime garder le secret. OK. Donc, je suis très réservé. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de Zoko? Comment ce son-là te vient en tête? Comment tu le sors? Zoko, Tima Zoko. Malin. Parce que c'est une affaire zokotique. OK. La conjugaison dedans, tout ça. Oui, oui. Non, bien sûr. Si je comprends bien, c'est la zokotisance. Voilà. C'est la zokotisation. Voilà. Zokotalement. Zokotisé. Voilà, c'est ça. OK. Voilà. OK. D'accord. Mais ça va zokotiser. Mais oui. Mais oui. Et du coup, explique-nous comment Zoko est arrivé. Bon.
je ne voudrais pas faire comme les autres. D'accord. J'ai eu une inspiration. D'accord. Et j'ai décidé d'enregistrer. Et c'est le son, ce son-là qui m'a donné des frissons. J'ai dit, bon, il faudrait que je mette ce son à la découverte de tout le peuple ivoirien. Et puis, il faut savoir qu'en ce temps, la rythmique dans nos églises n'était pas ça. Donc, il fallait quelque chose qui puisse amener les gens à rentrer dans un mouvement de joie. Parce que Zoko veut dire, il faut te trémousser, il faut être en joie. Et c'est alors que je suis allé enregistrer. Et c'est cette chanson, bizarrement, j'étais en préparation des clips. D'accord. Et pendant que le clip était en train de... Les préparatifs étaient c'est comme ça, en cours. Et puis je suis parti en studio. D'accord. Quand j'ai envoyé le son, j'ai dit, écoutez ce son. Quand il dit, mais non, tu nous mets dans le zégrégbé. Ouais. Le zégrégbé. Oui, mais c'est quoi le zégrégbé? Le zégrégbé, ça dit, tu nous mets dans les problèmes. D'accord. Mais c'est ce son-là. C'est ça. C'est sur ce son-là que normalement, le clip doit être fait. OK. Et c'est comme ça, le son est parti. Ouais. Et qui a pris tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le film, je ne m'attendais même pas. C'est cool. Tu sais, quand tu fais quelque chose, souvent, tu ne t'attends pas. Et puis, un coup, on t'a dit, mais il y a un son là, ça frappe. Tu as dit, toi-même, tu es surpris de ce qui se passe. Et c'est comme ça, le son Zoko est venu. Et tu t'y attendais même pas. Non. Il faudrait que je dise la vérité, je ne m'attendais pas. Généralement, c'est ce qu'on dit. On dit, les grandes choses viennent des petites choses. Mm-hmm. Si tu n'arrives pas à faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Il a cru. Lui, il était en train de se concentrer d'abord sur un autre clip. Mm-hmm. Et puis voilà, ça dit, ce qui ne m'incompte pas dessus, tu vois. C'est ça qui est venu faire bim. Ce que Dieu a béni, et puis voilà. Ça fait bouger toute l'Afrique. Ah ouais. Et on a appris que certaines personnes se faisaient passer pour toi, pour aller en spectacle avec le son Zoko. Est-ce que tu confirmes? C'est vrai, parce qu'au au début, l'image n'y était pas. La chanson, elle est là. Donc, il y a des gens qui se faisaient passer pour... Anselme s'est mis, ils s'en vont prester. Hey. On m'appelle, on m'a dit, mais Joe, tu étais en prestation, on a dit, moi-même. Mais le showbiz. Ça, là, c'est quelque chose qui existe il y a longtemps. Hein. Ah bon? Mais à l'époque, en ce moment, il n'y avait pas les histoires de Facebook et tout. Antipalu est en train de diafouler à bien ici, là. Mais il y a un groupe qui est en train de mousser, elles sont à Paris, là-bas. Gombo va, les gars. Et ils ramassent l'un dans le dos. Le gars, même ici, Soukous Makelele. Tu vois? Même il y a un son, là. C'est malsain. C'est la vie, la vie. Mm-hmm. La vie, oh, c'est la vie. Il dit, je connais le chanteur. Mm-hmm. Mais quand j'arrive souvent dans les prestations, et puis je vois, c'est quelqu'un d'autre qui se fait passer pour le chanteur qui vient prester. Non, il ne dit pas qu'il vient interpréter, juste il dit qu'il c'est l'artiste. Interpréter, c'est l'artiste. Oh, c'est l'artiste lui-même qui est là. Il t'abuse, showbiz. Ah ouais. Quand tu fais sur ta chanson, mets ton image en même temps. Moi-même, j'ai fait une chanson rap en Koyaka. Il y a un petit qui était en train de diafouler ça à Ségéla là-bas. Et puis quelqu'un a filmé et m'a envoyé. Il dit, Joe, t'es en concert ici. Hein. Travaillement va tuer l'enfant là. Il dit, le mot d'il y a. Il n'était pas de quelque chose. Ah ouais, et Anselme, comment tu as appris ça? Comment tu as appris que ces personnes-là se faisaient passer? Ce sont des fans qui m'ont appelé, qui avaient mon numéro, qui m'ont appelé pour dire que, ah, mais dans les villages là, il y a des gens qui se font passer pour toi. Il dit, mais comment ça? C'est ce qui m'a révolté. Mm-hmm. Et puis, je me suis levé et dit, bon, il faudrait que mon image soit associée à ce son, sinon ce n'est pas bon pour moi. Et comment tu as réagi par rapport à ça? Tu étais énervé, fâché? Oui, c'est clair que pendant que toi, tu croupis dans la galère, il y a quelqu'un qui est en train de se faire le blé. C'est comment ça? Non, ça fait mal. Ça fait... Du coup, toi-même, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui se faisait passer pour toi. Peut-être que tu es dans la salle, on ne sait pas que c'est Anselme. Et quelqu'un vient, oui, je suis Anselme, le créateur de Zoko. Tu n'as jamais non, vu non, ça. Non, mais ces gens de personnes, ils ne le font pas. Hein. Ils savent ça. Ah, ils savent qui est Anselme, en fait. D'accord. Ils le font quand la personne, c'est-à-dire l'artiste attitré n'est pas là. Donc, d'accord. Ils se font passer. Ils savent que ceux qu'ils ont là, ils ne vont pas demander c'est lui ou c'est pas lui, puisque lui-même, on ne le connaît pas. Uh-huh. On fait comment? Ah ouais. C'était chaud pour toi, hein? Ouais, ouais. C'était... Mariage, anniversaire, baptême et même funérailles. Il n'y a pas un événement où on n'entend pas Zoko, en fait. Pas... Est-ce que tu peux dire que ça t'a rapporté quand même de l'argent? Quand même. Quand même, tu as eu le poil. Mais maintenant, tu as eu le poil. Où là, ça te voit, là? Mm-hmm.
Le djekakou de ça. Le poil est sorti, non? C'est comment? C'est venu ou bien c'était c'est Mugabe? C'est comment la partie là? C'est venu en paix. C'est venu un peu. Par exemple, c'est courant dans beaucoup de gombos. Hein. Elle est un dossier. Et du coup, c'est venu un peu. Comment ça, un peu? Non, bon, c'est une manière de parler. Oui. Tu sais que Dieu te bénit selon lui, sa volonté. Mm-hmm. Par moments, ce n'est pas comme toi, tu le veux. Tu aurais voulu que ce soit un truc où c'est gâté même. Bon, mais il te donne ce qu'il te faut pour que tu avances. Du coup, tu aurais voulu avoir un peu plus quand même. Un peu plus, un peu plus. Et puis, je voulais dire quelque chose. Oui. Vous savez que par moments, il y a maman qui m'invite. D'accord. Pour ses cérémonies. La première dame. La première dame. Mais vas-y. Mm-hmm. Donc les gens disent, ça c'est gâté. Mm-hmm. Si lui, la première dame l'invite, mm-hmm. c'est qu'il est rempli d'argent. Mm-hmm. Cependant, les gens ne cherchent pas à connaître ton quotidien. Mm-hmm. Comment? Ça veut dire, on aime divulguer beaucoup de choses sans avoir... le fond même de la chose. Ah, mais ça, là, non. Les gens ne vont pas en fondeur de la chose. C'est ça. C'est de ça, on parle tous les jours ici. Les gens ne vont pas en fondeur de la chose. Il regarde juste la forme et non le fond, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc, je pense que Dieu a fait ce qu'il devait faire. Mm-hmm. Mais j'aurais voulu plus. Mm-hmm. Voilà. C'est le plus, là, qui n'a pas été. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà pensé à porter plainte contre ceux qui se faisaient passer pour toi? Non, pour une affaire de Dieu, bon, c'est le fair play. Hein. Le fair play, ouais. Ils prennent ton argent, c'est le fair play. Non, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ah, et puis, ce qui fait mal, d'abord. Par moment, on t'invite et puis on dit non, il n'est pas là même. Mais ça, là, c'est courant. Ouais. C'est courant dans notre milieu. On t'appelle, on a besoin de toi pour un gombo. Et puis la personne, non, actuellement là-même, il n'est même pas ici. Il n'est même pas là-même. Il est beaucoup moi, occupé. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'appelle comme ça, il me dit, ça fait 2 mois, je cherche ton contact et tout, j'ai appelé un tel. Il me dit, non, tu n'es pas là, que toi, tu es un gars, tu bouges beaucoup. C'est ça. Il m'a dit son nom, je lui ai dit, non, il n'y a pas de souci, tu as mon numéro de désormais. Quand tu as mon besoin, il faut m'appeler. Ça, ce sont des trucs qui arrivent. C'est pour dire ce qui est pour toi. Ça dit, ça va tourner, mais ça va venir à toi. Ouais. Faut avoir la foi, faut être foyeux. Oui, c'est ça, faut être foyeux. Et du coup, tu sais qu'il y a des gens qui sont passés pour toi et voilà, on ne peut rien faire. T'es là, tu fais qu'assister. Quoi? Bah, c'est ça. Tu vas faire quoi? On peut faire quelque chose, mais il n'a pas envie de le faire. Ah, sinon, on peut faire quelque chose, c'est passé. Mais il n'a pas envie. Non, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mm-hmm. Quoi. Voilà. Quand même. Et qu'en est-il des droits d'auteur? C'est quoi la plus grosse somme d'argent que tu as reçue du Burida? Je crois que quand j'ai sorti l'album Zoko, dans les premiers temps, j'avais reçu, je crois... En tout cas, ça tendait vers 1 million, un truc comme ça. D'accord. Et puis après ça... Les mains des gays. quand tu vas, on dit non, mais il n'y a rien. Ah, mais attends. Oh, pourtant, quand je vais, que j'ai des collègues qui disent « Oh, c'est lui seul qui prend tout l'argent du Burida. Mmh. » Oh, c'est faux. Ah, je m'en fous. Dès que tu arrives, c'est lui qui ramasse tout l'argent. Quand il vient là, il prend tout. Parce que son son est joué partout. Mm-hmm. Un jour, moi, j'étais au Burida. J'étais assis, j'étais allé chercher un peu d'argent. On était assis et puis... Koro, Jagger, mm-hmm. il est rentré. Quand il est rentré, Maïsem est rentré. Hein? Jagger est sorti. Maïsem est rentré. Quand ils sont sortis là, quand le gars est sorti, il dit, hey, frère, faut passer le mois prochain, il peut aller là. Tous les jours, parti, sort comme ça, va. Ah, les mêmes, vous avez tout là, parce que vous avez kéké, pas taxi et job, puis non, mais c'est juste pour rire, quoi, juste pour dire que vraiment, il faut que le Burida, essaie de voir aussi de leur côté, parce que les artistes, quand on voit, tu sais, quand on voit, souvent quand je suis assis dans un maquis et que le Burida vient, par exemple, encaisser. Un tel maquis pour les droits d'auteur et tout. Mmh. Et puis quand je vois après que les artistes eux-mêmes, vraiment, c'est pas ça, que le Burida fasse un effort pour aider ces artistes. Parce que, encore une fois, ils sont se plaignent de tout. Mmh. Le football, la dernière fois, on a démontré sur le tableau
Comment est-ce que les joueurs sont payés? Est-ce que ça va? Donc, pour le Burida, il faut qu'on en parle. Oui. Voilà, parce que c'est pas... C'est ça. Nous, les artistes, là, c'est pas ça, au fait. D'accord. Voilà. Ça va, je vais dire une chose. Oui, allez, vas-y. Souvent, quand tu vas au Burida, moi, personnellement, c'est qui me dit, mais ta chanson, là, tes parents, là, ils ne veulent pas payer. Il dit, mais quels parents? Non, les ébriers, là, avec les adjoukous, là, ils ne veulent pas payer. Je dis, ah bon, c'est dans ces lieux-là seulement que c'est joué? C'est dans ces régions-là que c'est joué? Non, c'est joué partout. Donc, tu ne peux rien avoir, il n'y a rien. Je dis, ah bon, il n'y a rien. Quand même. Et c'est comme ça. Uh-huh. La dernière fois, il y a eu une réunion du Burida où le directeur était là. Il dit, voici quelqu'un, on joue ses morceaux partout. Mais quand il vient là, c'est bizarre. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre qu'après ces efforts que j'ai fournis, je ne peux pas jouir de cela. Et chaque fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Pas plus tard que hier, j'ai appelé, on dit, il n'y a rien. Et Zoko, c'est un album ou c'est un seul son? Zoko, c'est un album. D'accord. Il est composé de combien de titres? De 15 titres. D'accord. De 15 titres. Mais le son fa, c'est, on le dit, Eminyami. Mon Dieu. Mm-hmm. Hein, en adjuko. Donc Anselm Semi est un chanteur? Bon, moi, je préfère artiste chrétien. Chanteur. D'accord. Okay. Vas-y, je te laisse développer. Okay. D'accord. Mm-hmm. Je préfère artiste chrétien parce que, à mon actif, je suis instrumentiste. D'accord. Je joue la guitare, je joue le clavier, puis je chante. D'accord. Mais le chant, là, il est dans l'église, il chante. OK. Donc, d'accord. Le fait que je joue aux instruments, je ne suis pas seulement que chante, mais je préfère artiste chrétien. OK. Et Zoko, après Zoko, il y a 14 autres titres, c'est ça? Oui, il y a 14 autres titres. Mais pourquoi après Zoko, ça a mis quand même du temps, des années avant de sortir ce dernier single? Mais tu sais, aujourd'hui, pour avoir la production, c'est compliqué. Okay. Et surtout quand c'est dans le domaine religieux, personne ne veut s'aventurer. Donc, on fait comment? Donc, c'est difficile de pouvoir faire. Zoko, je l'ai fait avec moi-même, mes propres moyens. Mais à un certain moment, tu es essoufflé. Tu as besoin qu'on puisse t'aider, t'épauler. Donc, c'est ce qui a manqué. Quand tu vas ici, non, bon, non, oui, non, bon, il n'y a pas actuellement là, bon, si tu es obligé de te débrouiller toi-même, sinon. Donc, il n'y a pas de production en tant que telle. Et du coup, est-ce que maintenant tu as un producteur? Parce que tu sors un dernier son, là. Bon, le son, je l'ai sorti. Maintenant, j'ai quelqu'un qui veut m'accompagner. C'est-à-dire, j'ai fait le son, et maintenant, j'ai quelqu'un qui veut m'accompagner. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un a cappella du Zoko? Le fameux Zoko. Emenyame, emenyame, kofafa ebu, emenyame. Je suis angoissé, en bon, et rempli de peine. Ah, Emenyame, kofafa, ebu, Emenyame, Eh bien, on aura en prestation juste après la pub du dernier single d'Anselm Semi, également après la pub, l'interrogatoire. À tout de suite! Standing ovation, standing ovation. Obama, c'est la reine. Ça, là, c'est Pigueirin, ça, c'est Chingo. Ça, c'est pas Chingo, même ça, là, c'est...
Il y a les vrais pas. Plein bas dans les rues. Eh bien, Anselme, on va te permettre de souffler. Et, mais où est passé Just Jesus? Ah, question. Les experts l'ont attrapé. Ils lui ont posé des questions. Ils ont cuisiné comme d'habitude. En regardant l'interrogatoire du jour. C'est lui qui est là. Bon, en fait, il y a longtemps. Non, faut que tu te calmes. Ici, c'est nous. Voilà, c'est nous. Posons les questions ici. J'ai dit. C'est comment, il y a longtemps, on ne te voit plus ça, là, tu as chanté, oui, tu as dit. Tu as déjà foulé. C'est comment on appelle ça. Après ça, tu as fait d'autres chansons. Mm-hmm. Si maman ne vous semble pas claire, trouvez le coupable évangélique. Mais depuis là, tu as encore envie. Tu as encore envie. Donc, c'est on comment? Souhaite ça. Mais... Non, en fait, si c'est mal. Si c'est mal, on sait que tu as mal. Père, elle est là, tout est là. Tu ne peux pas courir, on sait que tu as mal. Mais on dit, ton dernier, c'est pour quand c'est... Toi, tu es un bon reggae man. On attend ton prochain, c'est comment? Si maman ne vous semble pas claire. On a compris. On a cherché le gars. Mais pour le moment, tu es là. Et nous, on veut que tu restes encore longtemps parmi nous. On dit ton dernier son quand. C'est tout. Mon bébé. On t'a allumé. C'est quoi ça? Toi, tu te prends pour qui? Nous, on t'a voyé ici en train de voir ton bébé. Qui est ton bébé ici? Ça, t'as bien chanté. Ok, Zé, appelle Eric. Ça pas de souci. Ok. Dans le noir, salaud. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet interrogatoire? On doit toujours retenir après les interrogatoires. Il est dans la main d'Eric. Et comme toujours, on ne sait plus rien. Jusqu'à ce qu'on nous envoie des nouvelles pour dire que telle chose s'est passée avec cette personne. C'est pas ça? Oui, voilà. Soyez foyeux. Parce que les experts ont beaucoup travaillé sur cette personne. Eric a torturé la personne, c'est pas ça? Oui. Alléluia, amen. Anselme Seri, quels sont tes projets? Bon, je suis sur le nouveau single. D'abord, il faut la promo. D'accord. Et après quoi, sortir un clip à la hauteur de la chanson. Et puis, avoir des concerts. Des concerts parce que je rêve de faire le palais de la culture. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais, parce qu'il faut, il le faut. Pour c'est important. Les fans du Zoko. Mm-hmm. Voilà. Il faut pour les fans du Zoko. Donc, mes projets, c'est la promo du single, le clip, et puis bon, on va voir comment on peut. Et pourront chérir. Et quand l'album, c'est pour quand? L'album, personnellement, je l'avais prévu pour le mois de décembre. Le mois de décembre, mais s'il plaît à Dieu. Ok, d'accord. Mais pourquoi est-ce que les artistes, comme on appelle ça, chantent, ne font pas des featuring, des collaborations et tout? Voilà, un feat. Un feat, je pense. Seb Semi, KS Bloom. Oui, ça va venir. Ouais. Ça va venir. Ça, c'est possible, ça sera le feu. Hein. Ça va venir, ça va venir. C'est un bon ambianceur aussi. Ouais, ça va venir. Je pense que. On y pense et puis on verra ce que Dieu fera pour qu'il puisse avoir cette fusion-là. Quoi. D'accord. Eh bien, merci Anselme Semi d'avoir été avec nous. Nous, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière musicale. Merci. Les experts Abidjan, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on vous laisse avec notre coup de revoir. Les sisters du Zouglou, on se dit à lundi! Le chemin nous on continue.
Nous sommes de retour.